On a plutôt l'habitude d'y voir des militaires en entraînement ou des plongeurs, mais ce jour-là, au Cap Lahousset, petite anse de rêve sur la côte ouest, ce sont de charmantes sirènes qui s'apprêtent à se jeter en plein grand bleu. Entre 2004 et 2006, je faisais partie de la compagnie Dragon et on a créé un spectacle qui tourne encore au jour d'aujourd'hui à Las Vegas qui s'appelle Le Rêve. Donc j'ai fait partie de ce casting-là pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai habité à Las Vegas et travaillé au théâtre de Monsieur Wynn tous les soirs. Je suis revenue à La Réunion en 2006. Cette nageuse, conduite par Marie Tavenard, membre du comité régional de natation, est ex-nageuse de la célèbre compagnie Dragon, qui produit les shows aquatiques les plus démesurées. Ça fait entre 19 et 25 ans qu'on fait de la natation synchro, donc c'est vrai qu'on a un énorme bagage technique derrière nous. Et c'est vrai que c'était une sortie exceptionnelle pour nous, parce que c'est la première fois qu'on nageait en milieu naturel. Et en mer, donc tous les repères étaient vraiment différents de la piscine. Prêt pour une session exceptionnelle en plein océan, du grand art, rien que pour tes yeux, public de Sensation Sport. De fond, il n'y a pas de parois sur les côtés, il y a un petit peu de clapot, la visibilité n'est pas non plus parfaite comme en piscine, donc c'est vrai que c'était super différent. Ouais. Hyper intéressant et c'est enrichissant aussi parce que d'habitude on se rend compte qu'on se repère beaucoup par rapport à la piscine et là on se repérait entre nous, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis pour les portées aussi, on s'est rendu compte que le fond de la piscine il aidait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de qualités à avoir pour la natation synchro, notamment il faut déjà savoir très bien nager en natation pure. Il y a toute une question aussi de souplesse, de grâce, donc il y a l'apnée, la force aussi pour sortir les jambes hors de l'eau, la coordination, le sens du rythme. Il y a tout un petit panel de qualités physiques à acquérir. On fait plusieurs spectacles par an. Le prochain, en fait, c'est pour l'occasion de la Nuit de l'eau. Donc, c'est une opération lancée par la Fédération française de natation, qui est nationale. C'est pour récolter des fonds pour l'UNICEF. Et je fais un gros bisou aussi à toute l'équipe de Sensation Sport.